Dominicain, M. Abbé de Moyer de Sumac, de Bosport, chers collègues, amis de la presse. Merci d'être là aujourd'hui. Moi, c'est un plus grand plaisir d'avoir chez Ulysse Poxor, ceux qui vont financer l'émission. Dominicain a déjà financé, je pense, 14 maisons à Roosevelt. Retour sur le projet avec ce projet standard, les petites maisons. Une petite maison de bonheur, si vous les appelez, standard, pour bien commencer à faire un peu partout. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le secteur privé rentre de plein pied dans ce projet de emergency housing. Ces maisons viennent remplacer les petites maisons d'hôtes proposées un peu partout dans la ville. On a fait ça les maisons cluster autrefois. On a voulu changer la structure, faire quelque chose de plus solide, faire quelque chose où la personne peut évoluer. Là, cette maison, c'est une maison évolutive. Là, un peu plus tôt, on parlait, nous avons pas mal de plans comment cette maison peut évoluer. Et je pense aussi que quand on va livrer les maisons maintenant, on va livrer avec des plans où on aura des plans ici mis à la disposition des bénéficiaires pour qu'ils puissent, par la suite, agrandir ces maisons. Parce que bien sûr, on pense que la personne va commencer à travailler. Nous-mêmes, on est en train de chercher de l'emploi pour les bénéficiaires, pour les faire gagner leur vie, les motiver à gagner quelque chose de plus dans leur vie, mais aussi rendre cette maison évolutive qui va créer beaucoup plus de bonheur dans la famille. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est surtout pour signer symboliquement le MOU et de remercier les partenaires, ceux qui nous ont suivis. Bien sûr, nous avons pas mal de partenaires qui arrivent tous les jours, qui commencent à entrer sur les projets, partout dans l'île, et nous avons des partenaires qui peuvent prendre des régions, et c'est une très bonne chose qui montre qu'il y a beaucoup d'interactions entre le privé et l'ANEF aujourd'hui et le ministère de l'Intégration. Nous avons un nouveau ministre qui est positif, qui aime ce qu'on a fait, qui veut continuer dans cette lignée. Je demanderai à la presse, à tous ceux qui sont là, les partenaires, le privé, de continuer dans cette initiative, de continuer d'aider, de sponsoriser les maisons en collaboration avec le ministère de l'Intégration. Merci. Je pense symboliquement on va signer le MOU avec les maisons. Merci.